Salut Nat! Comme tu auras 18 ans qu'en avril 2021, cette année, tu peux encore prendre la carte personne mineure. Mais la saison prochaine, puisque tu auras 18 ans révolus au 1er janvier 2022, il te faudra prendre une carte personne majeure. Pour rappel, il existe différentes cartes de pêche, soit des cartes annuelles, valables en année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, et non de date à date, comme le réclament beaucoup de pêcheurs, ou des cartes temporaires pour pêcher soit dans un seul département, soit dans presque toute la France. Il n'y a que 6 départements dans l'Hexagone qui ne jouent pas le jeu de la réciprocité. La carte majeure interfédérale à 100 €, la plus chère, permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie jusqu'à 4 cannes toute l'année dans les 91 départements réciprocitaires. La carte personne majeure à 77 € permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie jusqu'à 4 cannes toute l'année, mais uniquement dans le département où elle est délivrée. Si tu n'as qu'une carte majeure de ton département et que tu souhaites pêcher hors de ton département, tu peux aussi prendre la vignette groupement réciprocitaire au tarif de 35 €. Elle te permettra de pêcher tout le reste de l'année dans les 91 départements réciprocitaires. Prendre la réciprocité permet de pêcher presque partout en France. Il y a 4 regroupements réciprocitaires. L'entente halieutique du Grand Ouest, qui regroupe 34 fédérations pour 37 départements. Il y a une fédération pour 4 départements en région parisienne. Le club halieutique interdépartemental, qui regroupe 36 départements. L'union réciprocitaire du Nord-Ouest, qui regroupe 17 départements. Seuls les départements du Jura, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Lozère, de l'Ardèche et des Hautes-Alpes font cavalier seul et n'adhèrent pas à la réciprocité. Si tu souhaites pêcher dans l'un de ces départements, il te faudra prendre soit une carte annuelle personne majeure, dont les prix peuvent varier de 74 à 94 € suivant les départements, pour pêcher là-bas. Tu peux aussi opter pour des cartes hebdomadaires ou journalières, pour les vacances par exemple. À noter qu'il existe une réciprocité spécifique entre les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie. La carte découverte femme à 35 € permet à madame de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie dans les 91 départements réciprocitaires toute l'année, mais seulement à une canne. Les pêcheuses souhaitant utiliser jusqu'à 4 cannes seront obligées de prendre une carte personne majeure pour pêcher à 4 cannes uniquement dans son département de délivrance, ou une carte personne majeure interfédérale à 100 € pour pêcher à 4 cannes dans les 91 départements réciprocitaires. Il y a aussi la carte personne mineure à 21 € pour les jeunes de 12 à 18 ans au 1er janvier de l'année, qui permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie jusqu'à 4 cannes toute l'année dans les 91 départements réciprocitaires. La carte découverte moins de 12 ans, pour les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier, comme son nom l'indique, permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie toute l'année, mais seulement à une seule canne. La carte hebdomadaire à 33 € permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie jusqu'à 4 cannes pendant 7 jours consécutifs dans les 91 départements réciprocitaires. C'est une carte idéale pour une semaine de vacances si vous n'avez pas du tout de carte de pêche, ou soit pour pêcher dans un autre département si vous n'avez pas une carte de pêche interfédérale. Enfin, il existe la carte de pêche journalière à 12 €. Elle permet de pratiquer tous les modes de pêche en première et deuxième catégorie jusqu'à 4 cannes, mais une seule journée et uniquement dans le département où elle est délivrée. Nouveauté 2021, les cartes parrainage. Si vous êtes titulaire d'une carte 2021 interfédérale, personne majeure ou découverte femme, vous pouvez parrainer un jeune pêcheur en lui faisant bénéficier de 50% de réduction sur sa carte personne mineure ou découverte moins de 12 ans. Mais vous pouvez aussi faire bénéficier de ces mêmes 50% de réduction sur une carte découverte femme. Il existe cependant des restrictions pour ces cartes parrainage. Un seul parrainage est possible par titulaire de carte de pêche. De plus, le ou la bénéficiaire ne doit pas avoir eu de carte de pêche en 2020. Et c'est valable uniquement dans les APPMA participantes à l'opération. Et j'espère qu'elles sont nombreuses car c'est une bonne occasion pour mettre le pied à l'étrier pour partager notre passion et donc pour amener nos jeunes ou madame au bord de l'eau. Bien sûr, vous pouvez acheter votre carte sur le site internet dédié. L'adresse s'affiche ici.
ou chez votre détaillant qui utilisera ce même site internet. Chez Pêcheur, eh bien, on aimerait bien aussi pouvoir vous proposer l'achat de la carte de pêche en utilisant ce site. Bah, pour l'instant, ce n'est pas possible. On fait les démarches pour. Bien, dites-nous par mail si ça vous intéresse, si vous aimeriez aussi pouvoir acheter eh bien, votre carte de pêche en faisant du shopping sur pêcheur.com. En prenant votre carte de pêche, vous choisissez une APPMA. De fait, vous adhérez à cette APPMA. N'hésitez pas à vous y investir, allez aux AG, donnez des coups de main. Le système associatif pêche a besoin de bras, d'idées neuves et n'oubliez pas qu'avec la dématérialisation de la carte de pêche, vous n'êtes plus obligé d'adhérer à votre APPMA locale. Vous pouvez choisir n'importe laquelle dans votre département, voire une APPMA hors de votre département si vous prenez une carte interfédérale. Et peut-être ainsi saluer la gestion d'une APPMA que vous estimez plus méritante ou plus proactive. Allez, à plus !